Métro, écoute, chez Métro, cette semaine, qu'est-ce qu'on trouve? Ben écoute, le bœuf haché maigre. Mais là, vraiment, là, pas cher, 2,88 la livre, ou si tu préfères, 6,35 le kilo, toi, pour du bœuf haché maigre. Ah, ça a de l'allure, ça. Puis du bœuf haché maigre, on peut faire n'importe quoi, sauce à spaghetti, des boulettes, de la saucisse, des tourtières, écoute, c'est vraiment un passe-partout, super facile, un petit orzo chinois. Ou un macaroni chinois ou un orzo chinois, parce qu'à cette heure, on ne fait plus des macaroni, on fait de l'orzo. Écoute, de l'orzo. Remplace ton macaroni par de l'orzo. Okay? Ça a de l'air des grains de riz plus gros. C'est super bon, là, vraiment. Là, merveilleux. Puis ça fait une belle assiette. C'est encore mieux que le macaroni, je trouve. Toutes les goûts sont dans la nature. Là, ça fait différent, en tout cas, ça, c'est sûr. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute, les darnes de saumon. Hein, ça, c'est pas le filet de saumon. Écoutez, le saumon, c'est coupé. Dans le fond, c'est un saumon, il est coupé comme ça. Tandis qu'une darne, il va être coupé comme ça, en tranches. Donc, tu as vraiment là, la darne là, avec l'os dans le milieu, la colonne, avec toutes les arêtes. C'est ça qui est son problème à la darne, mais ça, ça donne du goût. Quand tu le fais cuire, ça, c'est épais aussi, tu le fais cuire dans le poêle, okay, ou dans le four, si tu veux. Pas trop. Juste assez pour qu'il se défasse. Le coup qui est défaite, là tu défais tout ça en flocons, puis tu peux te faire une bonne salade avec ça, une bonne petite sauce blanche, c'est super bon. Puis il est combien cette semaine? Il est 7,99 la livre, ou si tu préfères 17,61 le kilo. Donc, pour de la donne de saumon comme ça, c'est vraiment frais là, de l'Atlantique, là ça a bien de l'allure. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute, la poitrine de canard lac brome. Hey, ça, là, ça c'est bon, là. Ça c'est cher absolument. C'est encore cher pareil, là, mais quand même, 9,99 la livre, ou si tu peux faire 22,2 le kilo, ça vaut à peu près 35-40$ le kilo, ça, tout dépendant, tu la jettes, mais ça, c'est super bon. Ça, là, facile à faire, facile à faire. Moi, ce que je te conseille, là, c'est que tu le mets, quand tu le fais cuire, là, tu le mets vraiment sur le gras. Puis avant, moi, je le strie avec un couteau, OK, jusqu'à la chair, sans vraiment fendre la chair, là, juste essayer de... C'est faire un quadrillé, hein, tic-tac-toe là, sur le gras, puis tu le déposes sans gras, rien, dans une poêle chaude, directement dans le milieu, tu le mets sur là, justement là, sur le gras, OK? Puis tu le laisses là, jusqu'à temps que le gras, il fonde complètement, là, quasiment totalement, ça devient un bacon, un bacon. Puis là, quand il est rendu le bacon, le gras que t'aimes, là, vraiment, il est rendu comme un bacon. Ça peut prendre, des fois, ça dépend du gras qu'il y a. Ça peut prendre, moi, je te le laisse là, des fois, 25 minutes, une demi-heure, là. Ça dépend de la grosseur. Puis après ça, quand tu le tournes sur la chair, là, c'est 2 minutes. 2 minutes, pas plus que ça. Tu l'enlèves de là, OK? Puis tu ne mets pas ça à la peau, là. Tu le laisses sur la chair, dans l'assiette, comme ça, pour laisser... Pour pas qu'il vienne mou, là, pour que ça vienne, là, que ça reste croustillant. Puis après ça, tu te coupes des petites tranches minces de tout ça. Là. Oh mon Dieu, la poitrine de canard, comme ça, c'est débile. Là. Vraiment, OK? Avec une petite sauce canneberge ou une petite sauce aux framboises. Là. Tabarnouche, c'est un délice. C'est délicieux, ça. C'est un souper de roi, là. OK? Ça, c'est sûr. Écoute, c'est chez Métro que tu retrouves la poitrine de canard, la brome, là. À ce prix-là, donc. C'est ça qui est pour chez Métro cette semaine. Mais je t'encourage vraiment à t'abonner à la circulaire de Papa Popote, ne serait-ce que pour m'encourager au moins, comprends-tu ça, c'est sûr. Là. Puis en plus, ben, tu vas t'aider énormément à sauver beaucoup d'argent, puis à te sauver du temps, puis à te donner vraiment les vrais meilleurs rabais dans la circulaire de Papa Popote. Là. T'as juste les vrais rabais de toutes les circulaires. Donc, dans une circulaire, tu te retrouves à avoir toutes les circulaires d'une certaine façon, puis pas n'importe quoi, là. C'est parce que tu sais, une circulaire, ça pèse à peu près entre 12, 15 pages, chacune des circulaires. Moi, ça va peser à peu près, c'est ça, là, entre 15 et 17 pages. Mais c'est juste, c'est toutes les 5 circulaires, finalement. Fait que c'est vraiment un must. Puis si tu veux vraiment m'encourager encore plus, puis tu veux avoir encore plus que ça, bien, t'as l'abonnement VIP de Papa Popote, OK? Et là, tu as la circulaire Papa Popote que tu reçois bien sûr dans ton courriel à tous les mercredis avant 18h. Hein? Puis tu as accès à un espace privé où là, tu peux télécharger bien sûr les vidéos de Papa Popote avant tout le monde. Tu peux aussi voir les 10 rabais qui ne reviendront pas avec la liste qui vient avec, aussi en PDF. Tu as les audios. Il y a des recettes aussi que je mets à l'occasion là, qui vient avec les rabais de la semaine. Donc, c'est vraiment complet. Puis, ça devient ton centre. Là. Il n'y a pas de publicité, rien. Là. Ça devient vraiment ton centre d'économie. Là. Puis d'épicerie. Puis en plus, tu retrouves toutes les circulaires là, d'origine. Là. Tu sais, les circulaires qu'on voit chez... Si on va sur le site de IGA, on peut télécharger
leur circulaire, il faut, y a plusieurs clics à faire pour y arriver, même chose pour les autres, tandis que là, dans ton espace privé, ils sont tous déjà là, tu as cliqué tout, tout, puis apparaît, sans publicité, le PDF. T'sais. Fait que là, tu as tous tes PDF là en plus et tout. Fait que c'est vraiment super, c'est complet. Puis en plus, tu encourages papa, papa. Puis ça, dans le temps qu'on vit là, c'est pas méchant pantoute. Ça fait même du bien. Okay? Fait que n'hésite surtout pas, là, au prix que ça coûte, ça vaut pas la peine de s'en passer. Okay? Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, hein, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa, papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa, papa. Bye.